Le cercle des humains est à nouveau consacré. Le mariage entre le visible et l'invisible va être célébré. Tous peuvent pénétrer dans la maison. Deux compagnes de la Mokadma franchissent le seuil en marchant à reculons, car à la manière d'un miroir, le monde de l'invisible où nous pénétrons maintenant est le reflet inversé du monde du visible. C'est aussi un rituel de fécondation, une quête d'abondance. L'argent qui circule fertilisera le sol, comme la pluie, et arrondira le ventre des femmes, comme le sperme. Après l'allégeance à l'islam, les génies vont bientôt répondre en bon ordre à l'appel des gnawas, couleur par couleur. Pour les jeunes initiés, la possession se manifeste d'abord par des phénomènes de transe incontrôlés, qui se transforment au fil des ans en véritable danse. L'imitation des anciens et la familiarité avec les génies suffisent à cet apprentissage. L'initiation est vécue par le novice comme un voyage intérieur accompagné par l'ensemble de la communauté. Ce cheminement spirituel est le trésor caché des descendants d'esclaves, l'héritage immatériel qu'ils portent en eux-mêmes, planté entre la chair et l'os.
Du pays des morts, la lila s'achève par un appel au génie jaune du miel et du soleil retrouvé. On fête ainsi le retour à la vie, qui a la douceur du sucré, par un divertissement dansé auquel tous les vivants participent.